Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça va être un retour des encombrants, la vidéo numéro 103, je crois. Et dans celle-ci, j'ai pas voulu vous faire une grosse vidéo parce qu'elle va être juste énorme. Donc, dans celle-ci, je veux diviser, en fait. Tout a été ramené en une seule fois, mais je vais la diviser en deux, voire trois fois. Et je pense que deux fois, ça ira très bien, si je parle pas trop. Donc, dans celle-ci, vous allez voir tout ce qui est meubles. Il y a des petites vidéos que je vous ai pré-filmées et que je mettrai directement ici. Et il y aura des livres, la décoration, de la décoration avec un tout petit peu de cuisine et quelques jouets aussi. Il y en a pas grand-chose. Voilà, et dans la seconde vidéo, je vous présenterai tout ce qui est vêtements, parce qu'il y en a un paquet, une tonne de vêtements. Voilà. Alors, on va commencer, enfin, tout ce qui sera... Il y aura aussi un peu d'hiver hein, dans cette même vidéo. Donc, on va commencer par tout ce qui est... des meubles, de la décoration. Donc, je vais vous montrer ici. On a trouvé une petite table d'appoint pour la chambre ou pour le salon, qui est en métal doré avec un petit couvercle. C'est une table en fait de rangement en quelque sorte. Vous pouvez ranger des choses dedans également, ou vous en servir tout simplement comme un petit panier qui est assez sympathique, en très bon état. Juste la peinture à refaire. Ensuite, on a trouvé ces petites étagères qui se fixent comme ceci, vous voyez. Il y en a trois. Il y en a deux qui sont peintes et une qui n'est pas peinte. Mais je préfère celle qui n'est pas peinte à la limite, parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça au naturel que peint en bleu, mais un bleu un peu grisâtre et pas très bien peint, j'ai l'impression. Enfin bon. En tout cas, elles sont en très très bon état. Ensuite, dans les meubles également, on a trouvé... On a trouvé des chaises de jardin, plutôt en bon état, il faut juste les nettoyer, ils sont avec de la toile cirée dessous, il y a quatre chaises, et puis on a trouvé également une table orientale, une table basse orientale, donc il est sur trois pieds. Je ne sais pas si j'ai fait une vidéo ou j'ai fait que des photos, vous allez voir, je ne me rappelle pas en tout cas. Il y aura peut-être un avant et après en photo, parce qu'avant elle était... en mauvais état, donc elle était toute, elle est toujours un peu rouillée, hein, mais elle était toute verte également, elle était oxydée. Je pense que c'est du laiton, j'ai vu que laiton ça peut être mélange de cuivre et de zinc, si je me trompe pas, et ça fait du laiton. Au départ j'ai pensé que c'était du cuivre, parce qu'il y a des endroits qui sont un petit peu roux, vifs comme ça, et on pourrait penser que c'est du cuivre, mais je crois pas en fait, maintenant je sais pas. En tout cas c'est assez lourd qu'un plateau, en fait c'est un plateau en métal. Donc de style oriental, donc avec les découpes orientales, voyez, un peu arabesque on appelle ça, je sais plus, en tout cas c'est très très joli, mais bon l'état, je suis assez mitigée, mais j'ai essayé quand même de la restaurer un petit peu comme j'ai pu, j'ai nettoyé avec le miroir cuivre, j'ai ensuite nourri tout ça, enfin je nettoyais après avec de l'eau, ensuite j'ai séché, j'ai nourri avec de vaseline. Et par-dessus, j'ai mis aussi du W40 pour protéger de la rouille. Voilà, donc ça c'est fait. Puis il y avait également... Qu'est-ce qu'il y avait également un meuble? Je ne me rappelle pas. En tout cas, s'il y a des courtes vidéos encore, je vous les mettrai. Donc après, dans la décoration, nous avons également ce petit panier. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est pas de la... raffia, je ne sais pas, mais c'est pas de la paille, il me semble que ça doit être style raffia, un truc comme ça, donc sympa ce petit panier. Puis nous avons également, bon on a un truc plus récent, hein. Ça c'est Kinder, une petite valisette, une valisette. Puis dans la décoration on a ce joli vase, joli mais assez abîmé ce côté-là, voilà. Abîmé dans le sens, il est terni. Puis, on va retrouver également ce petit pochon Noël. Et dedans, des choses diverses. Hein. Je vais vous montrer maintenant tout ce qui est divers, parce que je crois qu'on a terminé avec tout ce qui est de la déco. Donc, il y avait cette poupée en bois. Et donc, un tas de breloques. Donc, un petit breloque comme ça, un cœur. Fait au crochet, et puis deux petits éléphants en bois comme ça.
Voilà. Ce sont des breloques sans en être vraiment parce qu'il n'y a pas de quoi les attacher, mais en tout cas, il y a, voilà, il y a des petits trucs comme ça. Des petits éléphants. Ensuite, dans divers, donc, on avait trouvé ceci. Il s'allume et il fonctionne en plus, hein, vous vous rendez compte? Donc, l'ordinateur fonctionne. Certes, il est très vieux. Ça fait une éternité que je n'ai pas vu des ordinateurs de ce style. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Et donc, on l'a allumé, il fonctionne. Il y a la batterie qui va avec. Donc, c'est très très bien. Puis, il y avait voilà la batterie et le petit truc qui allait avec. Je crois que c'est une clé. Une raquette de tennis. Voilà, qui porte un nom champion Pakistan. Champion Pakistan. Voilà. On a trouvé des raquettes comme ça de panaché. Panache, vous savez, le panaché, la boisson. Et puis, il y a quoi? Et puis ensuite, ben, comme je vous ai dit, ça va être un peu de cuisine. Et puis ensuite, je vais vous montrer tout ce qui est bouquin. Donc, j'espère que ça va aller vite. Là, on est déjà à 7 minutes, vous voyez, ça va assez rapidement. Ça va assez vite. Concernant la cuisine, donc, on avait ramené ces deux bols-là que je vais garder parce que j'adore les bols blancs et surtout les bols de chez Monoprix. J'adore. J'adore cette taille, franchement, ils sont bien. Ils sont passés lave-vaisselle. Bon, il y a une petite ébréchure ici, mais vu que je les garde pour moi, je m'en fous. Parce que j'aime beaucoup cette petite taille, ça me va très bien. J'aime pas les gros bols. Donc, si jamais j'ai envie de prendre des petits céréales ou mélanger yaourt dedans avec du sucre ou du miel ou des baies, enfin bon, peu importe. Moi, j'aime beaucoup ces bols-là. Cette taille me va très bien. Et puis, il y avait. Ça, je vais pas les sortir, je vais vous montrer les photos ici, je vais les mettre. Donc, c'est Geneviève Letiou. C'est un aquarelle, donc c'est un petit ensemble, une service de vaisselle à café, donc des tasses à café avec des petites soucoupes super sympas. Tous sont signés par donc Geneviève Letiou. Voilà. J'essaie d'aller rapidement parce que le soleil, la lumière s'en va de plus en plus vite et que j'ai pas envie qu'on soit dans le pénombre. Donc là, je vous montre parmi les toutes choses autres, on a ceci. C'est très sympa. Pour la suite, je pense que pour la seconde vidéo, je mettrai quand même les lumières parce que j'ai pas envie de me presser pour rien. On verra. Donc voilà, on a ce hibou. Super sympa. Marionnette en fait, la tête elle tourne, donc en fait c'est à l'intérieur, vous avez un truc pour tourner, et puis normalement ça doit faire des petits bruits, mais il n'y a pas, et ça fonctionne plus les piles, et on ne peut pas les changer parce que c'est cousu dans le tissu. Voilà pour ça, et puis là je vais vous présenter tout ce qui est livres. Donc j'avais l'impression qu'il y avait tellement de choses, mais au final je regarde en fait les catégories, il n'y en a pas tant que ça. On a trouvé beaucoup de livres. Encyclopédie Figaro de ce style-là, je vous mettrai ici intercalerai la petite vidéo parce qu'il y en a beaucoup. Alors je vous montre tous les livres, tous les encyclopédies, je ne vais pas les sortir pour vous les montrer parce qu'il y en a énormément. Et c'est très très lourd. Je les ai ramenés ici juste pour les prendre en photo pour les mettre en vente parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ils sont plutôt en très très bon état. Je vous montre au moins un. Il y en a très peu qui sont en moins bon état. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon état et ce sont des encyclopédies illustrées. Voilà. Beaucoup. Ensuite, parmi d'autres livres, donc, et magazines, hein, j'ai trouvé ça parce que ça peut être bien demandé. Donc, le mystère Dylan, bon, Dylan. Ensuite, bon, c'était ensemble, hein, l'œuvre ultime de Mark Rothko, pareil, Le Monde. Puis on a La Vache Olga, un livre pour les enfants, ici. On a Naruto, c'est un petit catalogue d'autocollants. Puis il y avait tout un tas de bouquins, comme ceci, Cherub. On en a déjà trouvé un numéro 1 et 2, et là on en a retrouvé encore un numéro 1, et puis les autres, on a trouvé le 3, 5 et 8. Ils sont plutôt en très bon état, j'ai envie de vous dire. C'est une saga, un truc comme ça. Enfin voilà. Donc c'est pour les ados. Puis on a trouvé dans le même style, c'est par le même auteur en fait.
On a ici, et il y en a trois comme ça, donc mission 10, 11 et 13, c'est ça. Putain, ils sont en très bon état si je les casse. Voilà, voyez, mais cette fois en format broché. Pareil, le même auteur. Puis, dans le même style, on a les tomes 1, 2, 3 et 4, par le même auteur également. Voilà, ces livres-là, vous voyez. Ils sont aussi en très très bon état. Donc ça, c'est superbe. Dans les livres encore, nous avons la Bible. Très intéressant, j'avais pas vu des éditions comme ça, parce que derrière, on a les cartes. Vous voyez. Et ça, ça date de l'année... Je sais pas si on va voir l'année ici. Pas d'année, tiens. Bon, il n'y a pas d'année, en tout cas, ça s'appelle Sainte Bible. Il faut vraiment que j'aille chercher la lumière. Hein. Ensuite, je vais aller vite. Hein. Nous avons ici Attilo Kodjo, La Révolution des Femmes en Islam. Ça, c'est un ancien livre. Il est en plus relié, même si la couverture n'est pas rigide. Là aussi, un Hans Ruesch, on a un vieux livre également. Igloo dans la nuit, qui date, je ne sais pas de quelle année. Et on sait qu'il est âgé, 1953, par rapport à sa couverture, enfin, sa tranche. La foire au Bidas, Jean-Charles. Ça, c'est le grand livre du mois. Ensuite, on a Henri Catalan, Sœur Angèle et les Seigneurs du Jour. Puis, on a La Bataille de Toulouse de José Cabanis. Bon, l'état comme ci, comme ça. Hein. On a L'insoupçonnable Grandison par Charlotte Armstrong. Voilà. L'espion aux yeux verts par Bernard Clavel. Marie Galante, j'ai gardé, mais il n'y a pas de couverture devant, vous voyez, là, que derrière. C'est comme le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau, c'est la même édition. Scène du théâtre anglais contemporain, présentée par P.M. Richard, donc classique Hachette Collection Atlantique. Voilà. Puis on a Histoire de la musique par Paul Druil, aussi assez âgé. Nous avons les classiques pour tous, donc Odyssée, Homère, Odyssée. Là aussi, bon, c'est protégé, je garde comme ça, Sparkenbrook, Charles Morgan, 1945, un très vieux livre, celui-là. Ensuite, nous avons Chevalier de Malte, Roger Peyrefitte. Pareil, il est assez âgé. Dans le même style, Roger Peyrefitte, les fils de la Lumière. Donc, c'est peut-être la suite aux éditions Flammarion. On a Isabelle de Jean Frustier, ou l'arrière-saison. Hein. Et on a ici Marie O'Hara, le fils d'Adam Wingate. Aussi protégé, je garde tel quel. Donc ensuite, oulala, ça devient de plus en plus sombre. Est-ce que j'allume tout et puis on se précipite pas, je sais pas. Bon, bref, on y va. Ensuite, je vais chercher la lumière. Je fais une pause, je vais chercher la lumière, ça va être mieux. Bon, j'ai ramené les lumières, j'espère qu'il y en a assez. Alors, on continue donc avec les livres. Là, il y en a pas mal de formats poche. Donc, l'orchestre rouge de Gilles Perrault. Il y a celui-ci. Ensuite, on a l'aventure aujourd'hui. Donc, j'ai lu L'espion qui venait d'Israël de Ben Dan. Ça, c'est des vieux livres. Bah tiens, il y a des photos de quelqu'un dedans. Bon, je vais pas montrer. Hop. Ensuite, nous avons ici... H de Monterland, Les jeunes filles, livre de poche. Puis, La fin des ambassades de Roger Peyrefitte. Henri Troya, La fin des lionceaux. Le sac et la cendre, tome 1 de Henri Troya, encore, on va dire donc. J'aime beaucoup cette heure.
Puis Constellation Rencontre, ça c'est une sorte de magazine des gueules noires. Je pense que ça va parler plutôt des mineurs. Voilà. Puis, j'ai essayé de trier, hein, mais c'est pas évident. On a le quatrième futur de M. A. Rayjan. Nous avons Guy Descars, La Brute. Harold Robbins, ou Robin. Michael Donovan, et je ne sais pas en quelle langue c'est. Je me demande si ce n'est pas en polonais. On a Kavana Leruskov, Chien perdu sans collier de Gilbert Sesbron. Et puis après, ça va aller plutôt sur... ah oui, attendez. Là, on a Géant de loin, Bertrand Solé. Ça, c'est jeunesse. André Gide, Si le grain ne meurt. Puis, le Joe Beverly, Lady Beware. Voilà, désolé pour mon accent. Les hybrides de Michina, Georges Murcy. Je crois qu'on a déjà dans ce style-là la couverture. C'est ça. C'est pas le même auteur, mais c'est la même anticipation, fin. C'est fiction, voilà, c'est dans le même style hein, d'édition. Puis, d'autres poches. On a ici Ken Follett, La Chute des Géants. J'en ai le trilogie de cette saga. Puis, on a des livres... ça, c'est sur yoga, je crois. Il est tout neuf, en fait. Le Bhagavad Gita, voilà, ça s'appelle comme ça, donc il est tout neuf. Hein. Et puis on va avoir des livres, donc enfants, Dragon Ball Z, ça c'est le donc édition Glénat, il est en très très bon état, sauf qu'il est un peu plié, donc il faut le déplier. Scooby-Doo et la poupée infernale de James Gelsey. Tom Tom et Nana, increvable. L'effet du camping de Suzy Morgenstern. Le cochon en panne de Christian Oster. Puis on a quelques cartes Normandie, Seine-et-Marne, Bannière de Bigorre, Bourg Madame Mont-Louis et Massif de Canigou. Voilà. On reste dans le tourisme, et donc là, on a Michelin, donc Guide Michelin New York. On a Venezuela Ulysse, Le plaisir de mieux voyager. L'Afrique du Sud, Guide Voir. J'en ai pas mal de Guide Voir déjà. Puis encore des livres pour jeunesse, enfant. Le Lion de Joseph Kessel. Ah bah tiens, on a été aux encombrants hier sur la rue de Joseph Kessel. C'est un signe. Et on s'est perdu, en fait, mon chéri m'a perdu, donc il est parti en voiture et moi je suis restée là. C'était juste génial. Et aussi un autre signe, bah, c'est que c'était... il m'a perdu sur la rue Alexandre Pushkin. c'est dingue ça. Bienvenue à bord, Gaffi raconte de Anne Rocard Merel. Puis on a donc par deux à chaque fois, soit c'est Cabane Magique, donc là vous avez le numéro 12, Sauvé par les Dauphins, ça c'est déjà le deuxième, on a déjà un comme ça. Et puis le numéro 24, Au Royaume du Roi Arthur. Et puis on a le Bus Magique, cette fois ce sont les numéros 1 et 8, donc le 1 c'est Attention aux Dinosaures et le 8 c'est Au Cœur des Tornades. Ensuite on va avoir ici Librio Guide de l'Enseignant Collège 2019, ils sont tous en très très bon état. Guide de l'enseignant 2015 collège, pareil. Guide de l'enseignant collège 2019. Puis on a les langues, donc Arabs, guide de conversation français, espagnol. Ceux-là, ils sont marqués, mais je trouve que ce sont des bons livres pour apprendre l'anglais. Donc c'est Berlitz, édition Berlitz, donc Doing Business et Getting Around. Donc ici, nous avons English Levels 3 et 4, donc les niveaux 3 et 4 et les niveaux 5 et 8. Ensuite, nous avons les mathématiques financières. Donc ici, celui-ci, nous avons la gestion de portefeuille et théorie des marchés financiers dans le même style. Puis, pratique contemporaine de l'analyse conjoncturelle. Voilà, de Jackie Fayol.
Ça, c'est très intéressant. Initiation à l'encadrement et à la dorure à la feuille de Pierre Benz. Voilà, c'est tout expliqué en image. Dans le même principe, donc la technique de la peinture à l'huile, suivie d'une étude sur la peinture acrylique de Xavier de Longlet. Voilà, pareil, illustré. Puis on est encore dans les études, entraînement intensif aux tests de logique et psychotechnique. Voilà. Il y en avait quelques peu de pages qui ont été faites, mais bon, au crayon, j'ai effacé. Nous avons ici petit vocabulaire anglais par Jean Rey. Vous savez, ce type de livre, je pourrais même les garder parce que j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'anglais. Donc, journalise, vocabulaire, donc en 26 semaines, tous les mots qu'il vous faut pour lire aisément un journal anglais ou américain. Ces livres-là, je ne suis pas très pressée de les mettre en vente, donc je vais les garder pour l'instant. Hop. Puis on a le cahier de français cycle 4e. Voilà, très bon état. On a le vocabulaire pour les exercices cycle 4, donc c'est 3e. Français, mon cahier d'activité, 3e. Écho A1, méthode de français, avec un CD qui n'est pas ouvert, qui est encore scellé. Cahier d'exercice 4e, donc orthographe, grammaire, conjugaison et lexique. Et puis on a ici des cours d'été, dont un encore complètement fermé, vous voyez, il est scellé. Cours d'été CM1 français, révision. Révision CM1 mathématiques et cours d'été également. Cours d'été CM1 français, révision, c'est le même que le premier. Et puis cours d'été, donc légende ici, là je sais pas, c'est du papier tout vierge comme ça. Et encore cours légende en vacances. Donc en vacances avec les cours légendes, cahier de vacances du CM1 au CM2, voilà. Et bon, c'était ensemble, Kruger National Park, carte française, donc voilà. C'est tout simplement une carte d'un parc aux États-Unis, je suppose. Voilà, encore quelques bouquins là. Donc ici nous avons un ancien livre qui s'appelle La Divine Maîtresse, les presses de la cité Frank G. Slaughter. Ça me donne envie de le lire pour vous, à voir peut-être. Donc je vais le garder et je pense qu'il est assez âgé ce livre-là, 1951. À voir, peut-être que je le lirai avant de le mettre en vente. Puis j'aime bien Cathy's Book, Si vous trouvez ce carnet, merci d'appeler le 01 nanana, Bayard Jeunesse. Et en fait, je pense que c'est un jeu que j'aimerais bien qu'on fasse avec mon chéri. Et vous avez ici, en fait, donc le livre en question. Et puis ici, vous avez des petites indices, des choses. Je me demande si c'est pas un petit escape game. Et donc là, c'est Cathy's Book. Et donc, comme si c'était elle qui avait écrit dedans. On verra si on peut le faire. J'aimerais bien. On aime beaucoup les jeux comme ça, escape game, un bouquin, c'est pas mal. Ensuite, Bernard Clavel, encore, La Révolte dessous. Ça, c'est le France Loisirs. Puis, On Grand Strategy, John Lewis Gaddis. Winner of the Pulitzer Prize. Le gagnant de prix de Pulitzer, je sais plus comment on dit. La maison aux esprits, Isabelle Allende. Ça donne envie aussi de le lire. Alors attendez, si on lisait la quatrième de... Contrée qui ressemble à s'y méprendre au Chili. Du petit matin de ce siècle à son actualité la plus brutale. Entre province et capitale, une dynastie foisonnante de personnages sur chacun desquels repose tour à tour cette chronique. Sans qu'on perde jamais les autres de vue. Fussent-ils morts et enterrés, ressuscités ou revenant, Esteban Truba, parti de rien, devenu colossalement riche, propriétaire terrien et sénateur musclé, potentat familial, secoué de colère sismétique, Clara, son épouse régulière, hypersensible et extra-lucide, confidente des esprits qui peuplent leur grande maison avant qu'elle n'en la hante à son tour,
les enfants légitimes et naturels d'Esteban, les rejetons de ceci et de cela, dont les destins s'entrecroisent ou s'entrelacent dans les jeux de l'amour et du hasard, les vertiges de la révolte et des passions clandestines, les terreurs et les horreurs de la guerre d'un pays contre lui-même. Entre les différentes générations, entre la branche des maîtres et celle des bâtards, entre le patriarche, les femmes de la maison, les pièces rapportées, les domestiques, les paysans du domaine, se nouent et se dénouent des relations marquées par l'absolu de l'amour, la familiarité de la mort, la folie douce ou bestiale des uns et des autres qui reflète et résume les vicissitudes d'un pays passé en quelques décennies, des rythmes et traditions rurales aux affrontements fratricides et à la férocité des tyrannies modernes. Un roman qui, par son inspiration, son architecture, sa prose, tantôt enchantée, tantôt mordante, est à inscrire parmi les révélations de la littérature latino-américaine aujourd'hui. Pourquoi pas ? Ça a l'air sympa. Isabel Allende, née en 1942, a quitté le Chili après le coup d'État militaire et vit actuellement au Venezuela. La Maison aux Esprits, son premier roman, est traduit dans une dizaine de pays. Bah écoutez, je lirai avec plaisir. Ensuite, parmi encore les livres enfants, donc on a celui-ci qui est assez intéressant, donc Jeunesse, l'adaptation en bande dessinée du film de Steven Spielberg, Indiana Jones et le Royaume Crâne de Cristal. Très beau livre, moi j'aime beaucoup. Voilà. Puis, on a ici donc deux petits livres qu'il faut que je retrouve, les deux autres, ou trois autres, enfin, qui sont dans le même style. Donc là, nous avons Nathan, édition Nathan. Donc bon, celui-ci, il est bien marqué par Jeanne, petite Jeanne qui écrit dans les bouquins, c'est pas bien. Les petits voyageurs à l'aventure, donc celui-ci. Et puis, Léger comme une plume par Marc Lévy et Florent Bégu. Voilà. Ensuite, nous avons deux derniers, et puis c'est fini avec les bouquins. Donc, nous avons celui-ci. J'apprends à dessiner les animaux lointains. Bon, il n'est pas marqué, mais il est dans un état un petit peu marqué, tout court. Et puis, nous avons ici l'ami fiscal, tome 1. Donc, tout ce qui concerne les impôts. Voilà, un gros dico comme ça. Et je vais terminer par les VHS et les CD. Donc il reste quelques peu de cartes, de vidéocassettes que je vais vous présenter. Déjà, je commence par les CD. Donc, kit de conversation en tchèque. Voilà, donc ici vous avez un CD et un livre. Superbe, en très bon état. Si je l'abîme pas, il restera en très bon état. Puis nous avons best-seller série, c'est un Diablo, c'est un jeu PC. Brad Pitt et Morgan Freeman, Seven, un VHS. Barba Papa, autour du monde à la découverte des animaux, Téléthon, séparé, un VHS, une VHS. Et Heidi, la montagne, le chalet et le grand-père. Voilà. Écoutez, c'était tout. J'espère que ce n'était pas extrêmement long. Ça a duré quoi? Une demi-heure, je pense, le tout pour tout, plus les coupures, etc. Peut-être que je réduirai la vidéo à 20 minutes, ça serait génial. Sinon, bah tant pis. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. J'espère que vous l'avez apprécié. Maintenant, moi, je vais continuer à filmer une autre et dernière vidéo pour aujourd'hui parce qu'après, il faut que je prenne des photos de plein de choses et puis il faut que je fasse des montages, etc. Enfin bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais me poser avec mon petit bouquin et profiter de la bonne et douce lecture. Mais enfin bon, je trouverai le temps. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao !